Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu particulière qui s'est passée sur Discord. Le lien est bien évidemment dans la description pour ceux qui veulent rejoindre ce magnifique serveur. Donc, je vous explique un peu ce qui s'est passé et après je vous mets les images. Donc voilà, je vais essayer de me dépêcher pour les explications. Donc, le créateur 2.0, un abonné, a rejoint mon serveur Discord. Il s'est présenté, il était super sympa, jusque-là, pas de problème. Et il a posté une invitation sur mon salon pub pour aller rejoindre son serveur. Donc, Swayze, le modérateur de mon serveur, a rejoint son serveur par pure curiosité. Et il a vu que ce cher créateur 2.0 avait volé mon pseudo. Donc, son serveur s'appelait serveur de Deoxo YouTube et son pseudo, c'était Deoxo. Donc, Swayze m'a bien évidemment prévenu. Il s'est enrôlé dans le staff de ce cher créateur 2.0. Comme ça, j'avais Swayze en tant qu'agent double dans le serveur. Et Swayze a tout fait tout seul. Enfin, il a vraiment bien géré sur ce coup-là. Merci beaucoup. Donc, du coup, on a fait une conversation vocale avec moi, Swayze et le créateur 2.0. Et on a juste dit que Swayze, je l'avais contacté pour faire la discussion vocale, mais qu'il n'était pour rien dans l'histoire. Comme ça, voilà, Swayze n'aurait pas de problème. Donc, je lui ai dit pourquoi t'as volé mon pseudo, tout ça, tout ça. Et pendant la discussion vocale, il a en fait changé le nom de son serveur et changé son pseudo. Voilà, il a remis le créateur 2.0. Voilà, donc clairement, le gars ne voulait rien avouer. Alors voilà, je fais une petite parenthèse à ce moment de la vidéo pour clarifier les choses. Moi, dans l'idée, il m'aurait tout avoué. J'aurais dit, bah voilà, tu t'excuses, tu changes de pseudo et on n'en parle plus. Voilà, sauf qu'il a absolument fait le contraire, donc on a été un peu plus méchant que ça, vous vous en doutez. Je préfère le préciser, c'est un gamin de 10 ans, quand même, voilà, c'est à prendre en compte pour juger un petit peu toute cette histoire. Et enfin, je le glisse comme ça, hein, mais ce mec a un serveur de 18 membres, il y a 10 bots et 8 membres, voilà, et il demande à ses modos, donc Swayze pour le coup, d'être connecté de 8h à 22h. Voilà, je ne dirai rien, mais je pense que vous avez compris ce que je pense de ça. Bref, on reprend l'explication. Donc du coup, ce cher monsieur, il n'a rien avoué, il a changé tous ses pseudos. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis baladé un petit peu sur son serveur, et j'ai réussi à trouver un message qui n'avait pas été mis à jour par Discord, et du coup, il y avait encore marqué son ancien pseudo, à savoir Deoxo YouTube, avant qu'il ne le change. Donc je l'ai envoyé, il a dit que c'était du Photoshop. Donc Swayze, là, a pris un petit peu position, il a dit, alors moi, je ne sais pas trop ce qui c'est Deoxo ou quoi, mais je veux pas être méchant, mais c'est vrai que tu lui as volé son pseudo. Moi, j'ai regardé dans les logs du serveur, il y avait évidemment les messages disant qu'il avait changé son pseudo et celui de son serveur. Donc voilà, Swayze ayant dit ça, je pensais qu'il allait enfin avouer, sauf qu'il a encore continué sur l'excuse de « c'est du Photoshop », puis il m'a kick de son serveur. Voilà, il n'a rien avoué, c'est tout, et il a laissé Swayze tranquille. Donc là, j'étais quand même un peu énervé, parce qu'il n'a strictement rien avoué, il a juste tout dédaigné, et il pensait qu'en me kickant, ce serait fini. Sauf que non, ce que j'ai fait, c'est que sur un Discord, avec Swayze, sur mon serveur Discord, on a commencé à préparer un petit raid de son serveur et on a foutu le bordel, c'est vrai. donc voilà, vu que Swayze avait les permissions, de toute façon, à chaque fois qu'il me kickait, en fait, il pouvait me kick ou dès qu'il me bannait, il pouvait me déban. Donc voilà, il n'y avait pas de problème pour rejoindre son serveur et on a fait un peu le bordel. Il y a même un poteau de Swayze qui a créé un bot qui faisait que spam, enfin c'était super marrant. Donc voilà, je préfère le dire, mon but c'est pas d'être violent avec tous ceux qui m'embêtent, c'est juste que là vraiment, il avait rien compris, il s'est pas excusé et tout, il a juste voulu faire son enfant. Donc voilà, on lui a donné une bonne leçon, parce qu'en plus, entre temps, il a volé le pseudo d'un autre gars qui est venu sur son serveur. Donc voilà, on voulait juste que le message soit clair. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer les magnifiques images du raid de ce serveur. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, non, si jamais on a d'autres serveurs à raid, c'est sur le Discord que on fera les annonces. Donc voilà, sur ce, c'était Deoxo, je vous kiffe. Bye bye. Regardez ce magnifique serveur. Oh, let's bot. Ouais.
Le pourcent, c'est majuscule et la touche à droite du M. Oh, ce bordel. Ah si, c'est bon. Là, c'est bon. Je sais pas. Ah, merci pour les perles, c'est gentil ça. Supprimer le salon. Run. C'est bon. Y'a plus rien. Ah, c'est...